Yo tout le monde, c'est XPPLBG, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Pour commencer un let's play sur Watch Dogs 2 les gars. Allez, c'est parti. J'ai la première fois que je lance le jeu hein, les gars. Putain, on connaît bien les petits chargements de 4 ans et demi d'Ubisoft. Ok. 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 Allez, nique-lui sa mère, bien joué. Ok. 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 Non, on peut pas. La sprint. Y'a quoi là-dedans, les gars? Attends. Ok. Appuie. Appuie sur 3. Attends. Ok, il est là. Attends, comment on fait? Voilà. Oh. Ok. Appuyez sur L1 rapidement pour ouvrir les portes piratables. Ok. C'est bon, c'est bon.
Alors c'est lui? Il a une arme. C'est un problème? Les problèmes, je suis là pour m'en occuper, non? Lance le chrono. Ça m'intéresse. Ça y est. Il est entré. Déjà? Oh ouais, ok. On va augmenter le son du jeu, les gars. Voilà, augmenter le son du jeu. C'est qui ce mec? C'est... Rétro. Le hacker du Home Domain Awareness? Ce rétro-là? Ouais, on te l'a déjà dit en plus. Ouais, mais j'écoute jamais, moi. Putain, j'en reviens pas. Trouver la clé d'accès. Localiser et obtenir la clé d'accès. Maintenez... Ok. Là, ok. Clé d'accès, c'est bon. Y'a quoi à voir là? Ah. Bon. On n'a pas trop envie de le savoir, ça. Ok, quitté. J'ai trouvé la clé d'accès. Là c'est bon. On peut rentrer là, non? Faut aller là-haut. C'est quoi son histoire? Il a grandi à Auckland, mais il est né à... Non. Son histoire, c'est qu'il traîne près du centre de ressources de DedSec et qu'il est plutôt doué. Ok, on peut. Alors on s'est dit qu'on allait le tester. En difficulté oh. maximale jusqu'ici, personne n'a jamais réussi à effacer son profil CityOS. Je veux voir s'il est malin. Têtu ou les deux? Ok. Ah là, il y avait des escaliers, ok. Il bouge pas. Parce que je sais qu'il se réveille au bout d'un moment. Attaque au corps à corps, les gars. Ça dégage. Ok les gars, on a un intrus. Ta gueule. Putain, merde, il a prévenu. Il les a prévenus, ce con. Il a déjà fait ça, on dirait. Le CityOS l'a défini comme suspect principal dans un cambriolage high-tech, alors. Il a été en cabane? Juste des travaux d'intérêt général. Ah. La seule preuve qu'ils avaient, c'est les algorithmes prédictifs du CityOS. Mais une fois dans l'engrenage... Toujours surveillé. Je vais aller vérifier. Je l'ai vu partir par ici. Waouh! Il a tenté le coup. Il aura pas beaucoup de temps avant que les renforts arrivent. Vite, allez sprint, Sprint mon gars, sprint. Sprint. C'est où? Je sais pas comment y aller, les gars. Je sais pas du tout comment y aller. Ok, bug. Pas. Allez, on bouge. Merde, ça va être la sortie. Séparez-vous et trouvez-le. Comment on monte là? Ok.
Ok, non merde. Ils vont bientôt arriver. Hein. Ok. Comment on monte les gars? Ah oui, c'est vrai. Je suis trop con. Ok, ok. C'est bizarre que sauter ce soit pas croix. Il va dans le four là. Il fait près de 50 degrés à l'intérieur de ce four. Et c'est chaud 50 degrés hein. Alors là, respect. Il a peur de rien. Dans le système. Personne n'y est jamais arrivé. Putain, c'est comme découvrir le niveau des vaches. Allez, allez, allez. J'ai une idée. Peut-être que si on ferme la porte, ils vont galérer à venir. C'est quoi terminer la pas. Faire quoi là, les gars? Attends, pointez le terminal pour afficher les nœuds de la passerelle réseau API rapidement. Attends. Ah, ok. Ok. Il faut diriger le courant. On est bon. Ouais. Ok, bah voilà. Attends. Voilà, ok. Ok, ok. Je me trimballe avec quoi dans la poche là, sérieusement? C'est quoi ces conneries? Merde. Boucasier judiciaire. Hein. Putain. Ou alors j'ai qu'à. Parfait. Ah, attends, sélectionnez manuellement la nouvelle apparence du profil en ligne. Ah, PDG d'une multinationale, frère. Directement. Je vais laisser une backdoor dans le système. Ça me permettra d'y accéder plus tard. Désolé, Bloom. On n'a pas encore terminé. Il ressort. Chope-le. Yeah. S'enfuir par le sous-sol de la tour des serveurs. Piratage, déclencher la fonction de l'objet place
C'est ok. Ok. C'était quoi ça? Eh, hey, t'as entendu ça? Dispersez-vous, allez! Non mortel, donc ok, attends. Oh! Comment on descend? Allez, c'est parti, on descend, descend, descend. Ta gueule. Merde. Ils m'ont enculé. Non, non, c'est un test, les gars, c'est un test. Ok, les gars. On se retrouve là. Mec, ils m'ont vu, ils m'ont vu, ils m'ont vu. Faut courir à la fausse sprint. Allez, 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 allez. Sprint. Ok, on est passé les gars. Ne bougez plus. C'est bon, je bouge pas. Dans ton cul, Bloom. Il m'a shooté, l'enculé. Chicago concrétise la promesse d'une ville connectée avec le CityOS, un système d'exploitation urbain alliant le big data à des programmes de surveillance, de sécurité et de circulation pour créer une métropole plus efficace. En quelques lignes de code, des hackers parvinrent à pirater ses serveurs centraux et à paralyser tout le réseau. Beaucoup pensaient que l'attaque marquerait la fin du développement des villes connectées. Ils se trompaient. Coordonné depuis le cœur de la Silicon Valley, le CityOS 2.0 est implémenté à travers tous les États-Unis, instaurant l'Internet des objets. Plus de 6,4 milliards d'appareils connectés servent désormais de points de collecte, consignant nos trajets et gestes quotidiens pour un système plus sûr et plus intrusif. Mais qui d'autre observe? Big Brother ne travaille plus seul. Des milliers de petits frères surveillent et enregistrent vos faits et gestes, constituant un profil numérique de vous qui pourrait être vendu, échangé ou volé en un instant. Les jouets analysent les enfants et communiquent leurs habitudes de jeu aux services commerciaux. Les appareils, consoles et systèmes de sécurité domestique ouvrent votre intimité à des sociétés. Les commandes de votre véhicule et les appareils mobiles peuvent être piratés à distance par n'importe qui. Vous pensez peut-être que ce n'est pas si grave, ou que vous êtes à l'abri, mais votre ombre numérique est déjà compromise. Les compagnies d'assurance emploient des algorithmes pour surveiller vos habitudes et limiter vos remboursements. Les médecins prédisent l'année de votre mort et déterminent si votre cancer mérite un traitement. Les résultats de recherche et fils d'actualité sont manipulés pour influencer votre humeur et vos votes, générant des soulèvements sociaux à grande échelle. Vous avez moins de valeur que les données que vous produisez. Bienvenue dans la nouvelle réalité, où le contrôle est une illusion et se cacher n'est plus une option. Alors que les libertés individuelles sont menacées, la résistance s'organise. Sonneurs d'alerte, activistes et hackers se dressent contre l'ordre établi et accentuent leur vigilance. Mais sont-ils eux-mêmes un danger? Ou les derniers défenseurs de la liberté? Les derniers défenseurs de la liberté. Stylé. Alors? Je suis pris? Bienvenue chez DeadSec.
Moi, merci. C'est Citara. Le petit jeune, c'est Josh. Nom de code, Hot Sauce. Mec, c'est toi, Hot Sauce? Sérieux, tu m'as fait kiffer avec ton piratage de la fac. Merci. Lui, avec le masque, c'est Wrench. Live long and prosper. Et le beau gosse, là, c'est Horatio. Bien ou quoi? Salut, mon frère. Alors, c'est ça, la team. Vous en avez mis du temps à venir me chercher. Vous avez vu ce que fait Bloom. Le CityOS ne fait pas que réguler les infrastructures. Et la quantité d'informations personnelles que ce truc récupère, c'est tout simplement n'importe quoi. C'est comme si Big Brother et son petit frère avaient décidé de fusionner. Hein? Ils voient tout ce que tu fais et te dénoncent. Merci, Josh. Alors, on fait quoi? On veut l'exploser, ils foutent le feu. Ou non mieux, les deux en même temps. Vu que toutes les informations sont centralisées, ils peuvent rejeter ton dossier avant même que tu l'aies déposé. Toutes nos félicitations. Votre demande de crédit a bien été refusée. Ta baraque, ton assurance. Ouais, mais attends, ça va encore. T'imagines ces données entre les mains du gouvernement? Ils peuvent t'arrêter pour des trucs que t'as même pas encore fait. Ouais, je suis passé par là. Maintenant, je comprends mieux. Vraiment. Bon, vous savez quoi? On va les baiser! On est des putains de hackers! On a le cerveau, on a les balls! Faut qu'on dise la vérité aux gens, il faut qu'on leur montre ce que... Ce que fait Bloom, quoi. Il faut leur montrer que leurs données personnelles sont utilisées pour détruire leur liberté, putain. Merde! J'ai installé une backdoor, du coup, on n'a plus qu'à rentrer. Attends. T'as quoi? Il a installé une backdoor. Du coup, on n'a plus qu'à entrer. Tout juste. Excusez-moi. Vous avez l'heure? C'est bon, ça. Il est quand même un peu tard pour courir, non? Tu fais quoi? T'essaies d'échapper aux flics, c'est ça? Peut-être que j'en suis un. Eh, hey, mais... Je t'ai déjà vu quelque part, non? Amusez-vous bien. Essayez de traquer ça! Dans ton cul, Bloom! C'est l'heure de la vengeance, ma gueule. À consommer avec modération. Bien sûr. Allez, chargement. Il est à toi. Le mien à moi, il est où? Dans l'océan, c'est là que tu l'as acheté, je crois. Enfin, je me rappelle plus, j'étais bien défoncé. On se retrouve à Carspace. Où ça? Regarde dans tes photos, tu devrais trouver.
Merde. J'étais torché, c'est ça? C'est rien de le dire, mon ami. Va t'acheter des fringues et je te dirai où aller après. Ah, et tu vas avoir besoin de ton téléphone pour la suite des opérations. Alors pense à télécharger toutes les applis utiles avant de venir. Putain, je me tape la honte dès le premier jour. Ok. Allez. On va ouvrir le téléphone. Installer Noodle Maps. C'est où l'app shop? Pardon, j'ai ok. Gratuit. Ok. Utiliser Noodle Maps. Ok, ouais, c'est comme dans GTA. Oui, c'est grand. Grand de ouf. Prends les gars, je suis où? J'étais un pantalon dans une boutique. Restaurant, j'ai pas une graille. Café, j'ai pas envie de boire. Ouh, ça fera plaisir quand on aura des sous. J'ai déjà des sous. Parce que j'ai pris avec l'Ubisoft Club, j'ai pris des sous avec l'Ubisoft Club. Ok. Allez, c'est parti. Ok. Comment? Bon, attends, c'est pas grave. Je regarderai comment désactiver plus tard. Oh oui. Ok. En fait, j'ai essayé de prendre une voiture pas mal dès le départ. Enfin, après, je connais pas trop les voitures du jeu, hein. Ah ouais. Comment on dérape? C'est avec carré? On va dans la base militaire? Non, je rigole. Il n'y a pas de base militaire. C'est pas GTA les gars, c'est pas GTA. Les jeux de lumière de tunnel de Ubisoft, ils les font tellement bien. Wow, le stress par contre si je me crache là. Par contre les gars. Ouais ok. Voilà déjà. Ah. Pour commencer. La bête San Francisco ma gueule. Ouais, je veux juste voir les gars. Configuration des commandes, voilà. Alors attendez. Véhicule. Frein à main. Ok. Et on peut pas changer. Ok. Oh. Elle est en vrai. Elle est bien mais mal faite. Au niveau de la conduite ultra bien faite, mais au niveau du design pas incroyable. Ok. Ok ok. C'est plus pratique de conduire comme ça j'ai l'impression. Mais putain, je vais désactiver cette putain de radio. Oh, qu'est-ce qui se passe?
Oh, j'ai eu peur. Pas de téléphone au volant, les gars, hein, c'est pas bien. Attendez. Afficher carte média app. Oh. Ouf. Ça fait du bien. Sans radio, c'est un peu mieux. Allez. Allez ma gueule. C'est loin, putain. J'ai peut-être pas mis le plus près, hein. Ok. Ouh. C'était chaud, hein. Moi, on entend le vrombissement de la voiture. N'inquiétez pas, madame, personne n'est blessé. La voiture, elle est un peu blessée, si. J'avoue que la voiture, elle est pas en très... La voiture est blessée, ouais. T'as la gueule de la... Comment on sort de la voiture? Ok. Ne vous inquiétez pas, les gars, c'est bon. Je vais prendre la moto. Oh, oh, mais sensible de ouf. Ah, bien sûr. Ok, elle a une petite moto sympathique. Bah les couilles de respecter les règles de circulation, hein. C'est comme dans GTA, au départ tu te dis que t'as envie mais en fait tu le fais jamais. Hein. Par contre les accidents ils sont gentils. Hein. Allez, c'est un peu... Je suis con. Ouah. Stylé de ouf. Merde! Ici la police, quelle est votre urgence? Envoyez les flics! Allô? Vous êtes toujours là? Allô? Allô? Il nous faut une ambulance en urgence! Vite! Mais oui! Je devrais peut-être appeler une ambulance. En vrai? On peut appeler une ambulance. Non, on peut pas appeler une ambulance. Parce que moi je suis quand même sorti, les gars. Moi je cherche pas la merde. Hein. Faire des achats sportifs. Allez, pantalon. Ah oui. Ah t'es quoi celui-là, il est bien, celui-là il est bien. On commence, les gars, on commence moins cher, on commence avec le moins cher. On augmentera petit à petit. Alors, attends, on fera après. Le haut. Allez. Ah ça ralasse gros. On va prendre les moins chers gros. On prend le moins cher. Après on se fera stylé. On commence doucement. J'avoue que j'ai aucun style là, mais c'est pas grave. Ce masque est stylé, le masque là il est stylé de ouf. Non.
Non. Non, tu sais quoi? Ah mais c'est la même marque là les gars. Vas-y vas-y, on enfile la même marque. Moi je suis pas de stock gros, je suis paint stock. Ah oui, c'est ce que j'ai acheté avec l'Ubisoft Club. Ouais bah ça on s'en fout. C'est bon Citara, je vais où maintenant? Je t'envoie ça sur ton portable et le code d'entrée pour la porte. Ok. Les gens, on peut pas prendre un... Salut, je suis mort, non. Ok, attends, j'ai chopé une caisse. Ou une moto. Ah, un parking, c'est bien les parkings. Bah, t'es mal égaré, toi. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Ah non, ça recommence. Attends. Hop, Ok. Mettre un point. Putain, elle est déjà abîmée. Hey, toi. Toi, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Ok, toi, je vais te choper. Bouge pas. Ok, c'est parti. Oh non, merde. Allez, speed. Speed. C'est pas réaliste. Oh, est-ce qu'il est? Elle a un beau bruit, hein, l'auto. L'auto, tu sais. Le mec, l'auto, elle a un beau bruit. La caisse, elle... Oh, pas grave, merde. C'était la même, je crois. En tout cas, la caisse, elle fait un... Elle tue, elle tue, elle tue. Moi, je roule sur la voie du bus, frère. Bah, pourquoi eux aussi? Y'a pas les kilomètres heure. C'est dommage. Attends. C'est quoi en vrai? En vrai, je suis gentil, mec. Moi, je suis gentil, je suis pas méchant. Je me garde sur la place. Hop, pour qu'il puisse sortir. Voilà. Bon. Elle est pas dans un état incroyable.
pas dans un état incroyable. Traverse la rue. C'est ici. Apnée du... Ah oui, c'est... Oh, c'est dangereux l'apnée du sommeil. Oh, stylé lui. Ah. Parti. Enfin. Bon, bah j'ai discuté avec Josh, il se trouve que ça faisait longtemps qu'on voulait s'attaquer à Bloom. Bon alors, il nous faut deux choses pour qu'on se fasse Bloom. Des gens qui soutiennent notre cause, histoire qu'on nous prenne pas trop pour des trolls. Et aussi des bots, un max de bots pour gérer les données traitées par le CityOS. Ouais, merci Josh. On a passé la nuit à modifier notre app pour que les followers puissent la télécharger et que nous, on puisse utiliser leur puissance de calcul. Et donc on le fait, on va vraiment le faire. Mais ouais, carrément. Allez, vas-y, on bosse là. Ouais, c'est clair. Les barbares sont aux portes de Rome, prêts à saccager la ville. On va organiser des opérations ciblées pour obtenir... Il est stylé quand même son masque, lui. Comme ça, les gens, ils vont télécharger notre appli. Ça marche. Allez, t'en fais pas. On va commencer par un truc fun. En tout cas, les gars, Marcus, on va s'arrêter là. Hop. Et tout sec. J'avais des doutes après ton bain de minuit. Allez, viens. Faut que tu vois ça. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Max de pouce bleu et max de like. C'est la même chose. Et abonnez-vous. Ciao.